Lundi 25 mars 2024, madame, monsieur, gros bonjour, gros bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans notre journal spécial. Si la journal nous présente en collaboration avec VOA Creole depuis Washington DC. Actualité concernant pays d'Haïti, élection pour choisir président, conseil présidentiel là a organisé à souhait lundi 25 mars là à 8h. N'a signalé gagné un nouveau candidat qui ajouté sous l'histoire premier qui te pote tête yo candidat pour venir diriger conseil présidentiel si là et citoyen ça c'est Smith Augustin qui rive joindre docteur Louis Gérard Gilles ak Edgar Leblanc fils et Fritz Alphonse Jean qui c'est trois premiers monde qui te proposé tête yo pour venir président conseil si là et dans moment émission ça gagne rencontre entre membres conseil présidentiel yo côté y a travail sur un document qui pral déterminer mode de fonctionnement conseil présidentiel si là après document ça fin élaboré yo pral arrivé fayon l'autre rencontre avec CARICOM pour connait qui Jean conseil là pral arrivé installé et tout yo pral gagner pour choisir yon premier ministre pour aider yo fait travail là pour capable organiser élection dans pays d'Haïti dans et bien jour cap vini là yo toujours dans ça qui gagne pour à conseil présidentielle là madame Dominique Dupuis décliné invitation li dans conseil présidentiel là côté parti politique aidé red à compromis historique té metté dehors madame Gislaine Montpremier côté yo té choisil et eh bien yo t'a pral décider pour c'est madame Dominique Dupuis yo té fait choix de li à la dernière minute et eh bien madame nan k'a recevoir menace li choisi krasé yo quitté ça selon sa di nan yon vidéo li fait konnen famille avec tout li même a recevoir menace de mort li décidé mesdames et messieurs pour li écraser yon kite sa à cause déclaration mensonger qui a fait sou li côté yo fait quoi mesdames et messieurs li pa haïtienne et yo déjà a sal caractère lançant ça madame Dominique Dupuis à travers yon vidéo li choisi remercier parti politique qui t'ait fait choix de lio sans que yo pas imposer aucune condition et bien madame nan lui-même li fait connait li écraser yon kite ça pendant li remercier parti sa yo du fait que yo té pensé à li et souhaité tout gagner yon travail rapide qui fait nan niveau conseil présidentiel là pour permettre Haïti rale yon souffle pendant le promettre li pral continuer travail pour le représenter Haïti valablement nan international là. Toujours dans le pays d'Haïti, mesdames et messieurs, gagne police nationale là qui continue à compter et cadavre gagne policier Jovni Duplan qui mourit dans une attaque gang vive ensemble yo fait dans Kafou Douya côté mesdames et messieurs policier ça qui t'a circulé avec plusieurs autres confrères d'amni et bien t'a pral recevoir balle mesdames et messieurs malheureusement pour Jovni Duplan li mouri et gagne quelques autres qui blessé dans moment n'a pas lié à prendre soin dans l'hôpital dans zone métropolitaine et bien toujours mesdames et messieurs dans ça qui concernait pays d'Haïti gagné là yon vraiment un vol spécial qui était organisé dans ville au Cap pour rentrer au pays andi dans pays blanc américain vol spécial compagnie aérienne Sunwise là lui-même li démarrer jeudi lundi a et bien côté dans aéroport Cap Haïtien t'a pral gagner 155 passagers qui prend vol pour rentrer aux États-Unis et gagner yon lot vol qui programmé après-midi a encore en pile bénéficiaire te manifesté contentement yo qui t'a passé plusieurs jours en Haïti depuis yo te besoin aller kay Biden yo potko ka aller toujours dans pays d'Haïti mesdames et messieurs gagner première dame pays Kenya madame Rachel Ruto qui c'est madame président Kenya William Ruto qui annoncé un comité de prière pour soldats kenyans qui ont gagné pour rentrer dans pays d'Haïti pour venir toquer
coup d'âme avec gang pour aider Haïti râler un souffle. Li fait connait pays d'Haïti besoin gros prière tout, c'est seulement la prière qui capable sauver nous dans ça nous là pendant le fait qu'on est policiers autour, yo besoin accompagnement avec la prière pour capable faire travail là très bien sans pas gagner tête cassée ni pied frappé. Mesdames et messieurs, eh bien information yo en pile maintenant international là, faut que nous dit au Conseil sécurité Nations Unies t'a pral organiser un rencontre là sous et ça qu'a passé dans pays Israël avec Palestine côté dans guerre israélo-hamas là. Eh bien pral gagner une résolution qui a adopté côté gagner 14 pays sous 15 qui votaient pour yon cessez-le-feu en dans ville et Gaza côté l'armée israélienne pas suspendre mener attaque. Toujours dans international là, mesdames et messieurs, gagné attaque terroriste qui fait dans ville Moscou, 137 moun perdu la vie ak une quantité l'autre couché sous cabane l'hôpital côté y a prend soin et gagné plusieurs moun qui joignent arrestation yo pendant gagné dénonciation fait sous façon y a traité moun yo arrêté yo. La voix de l'Amérique pral présenter nous yon reportage sous ensemble de points nous sot touché la yo n'a invité ou suivre avec nous actualité. Those in favor of the draft resolution. Conseil sécurité Nations Unies a adopté une résolution pour un cessez-le-feu dans Gaza à 14 voix pour et yon abstention qui c'est les États-Unis. Attaque sanglante et mortelle dans Moscou vendredi dernier. Dernier chiffre, yo parlait de 137 morts avec plusieurs suspects qui trouvaient en détention. Et puis dans le pays d'Haïti, réaction sur ambassadeur Haïti dans UNESCO Dominique Dupuis qui déclinait choix RED aider à compromis historique pour participer dans le conseil présidentiel transition. C'est pour ça yo, avec l'autre nombre à le développer pour dans rendez-vous info pour jeudi lundi 25 mars 2024 là actualité dans pays d'Haïti et ben c'est toujours situation était compliquée avec nouveau développement cap sorti mais d'abord nous pral dans New York dans Nations Unies côté que gon résolution qui prend Conseil sécurité amendé yon cessez-le-feu dans Gaza pendant mois religieux musulman qui relé Ramadan. Sandra Lemaire gain détail. Will those in favor of the draft resolution? Conseil sécurité Nations Unies m'a dit pour guérir un cessez-le-feu dans Gaza pendant mois religieux musulman y aurait les Ramadan. C'est la première fois que Conseil a demandé pour suspendre bataille. États-Unis étaient abstenus, qui donc n'ont pas voté sous résolution, hein, qui demandait tout libération, tout otage Hamas te prend pendant attaque 7 octobre là, dans le sud Israël. Cependant, mesure a pallié demande ça avec cessez-le-feu à hein, pendant Ramadan qui supposé fini 9 avril. Vote là déroulé après la Russie et la Chine t'est posé veto, c'est-à-dire bloqué, une résolution États-Unis t'est patronné vendredi qui t'est appuyé un cessez-le-feu tout de suite dans le conflit israélo-hamas. Là. États-Unis lancé avertissement pour dire résolution yo approuvé lundi à pour endommager négociation qui a déroulé pour suspendre hostilité. Yo. États-Unis a participé dans la négociation ça yo, ensemble avec Égypte à Qatar. Résolution 10 membres élus Conseil là gain appui la Russie à la Chine et puis 22 membres Conseil groupe arabe non Nations Unies. Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu critiquait résolution l'ONU avec États-Unis tout et puis il dit les papes voyaient une délégation replacée rencontrer autorité Washington yo Jean ça te prévoit. La Maison Blanche dit l'idée su. We're very disappointed that they won't be coming to Washington D.C. John Kirby, conseiller la Maison Blanche sur question sécurité nationale, dit nous très déçus au pape vin Washington pour permettre nous gain plus bon gens conversation sur alternative viable pour opération Rafah. Ministre défense israélien Yoav Gallant déclaré avant rencontre dans la Maison Blanche avec conseiller sécurité nationale Jake Sullivan lundi que pas gain aucune raison morale pour suspendre la guerre Gaza tout autant otage pour retourner la caillou. Lydie, dans la première rencontre avec Jake Sullivan, je parle souligner l'importance de détruire Hamas et puis faire otage tourner la caillou. Nous parle opérer contre Hamas tout côté, même côté nous pour
Résolution passée avec 14 votes pour et aucun vote contre matin. Pendant visite li aux États-Unis, délégation israélienne est supposée présenter plan li pour Rafah by responsable à Maison Blanche. Yo. Gain plus passé 1 million Palestiniens qui prend refuge dans ville ça pendant conflit. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Et puis l'autre gros point dans l'actualité internationale, ça, c'est une grosse attaque qui fait c'est tout près de la ville de Moscou, dans un centre commercial et culturel. Et dernier chiffre, il parlait de 137 personnes qui ont mouru et plusieurs suspects en détention. C'est attaque côté plus de personnes mouru dans la Russie depuis plusieurs années. Il y a un total de 97 personnes hospitalisées. En plus, le monde dans la Russie a demandé pour l'autorité de punir sévèrement les personnes qui sont responsables pour attaque ça yo qualifié de attaque terroriste. Pendant ce temps, autorité yo a examiné des combios pour chercher l'autre victime. Et premier ministre là, en parlant de Mikhail Mnuchin, déclaré investigation a continué mais li cimenté pour le punir tout responsable yo pour que yo mérité pour yo prendre gros sanctions contre moun yo identifié yo et ben yo ta c'est à moun Tadjikistan que yo accusé d'est-ce que yo ta lancé attaque terroriste ça monsieur ça a été paraître et était comparaître plutôt devant yon tribunal dimanche soir côté que moun te kawe yo ak figure qui kolboso enflé donc yo ta maspina yo donc gen yon enquête qui ouvert et n'a suivre pour n'a pralé nan konya nan actualité a concernant pays d'Haïti bandi pillé et puis mettait du feu en dans un tribunal de peine à Port-au-Prince hier dimanche 24 mars là Massiado Vilmé té aloué pour nous groupe civil armé qui dit c'est contre gouvernement Ariel Henry a bataille pillé et puis boulé yo parti en dans tribunal section sud dans Port-au-Prince et Jean Gadé à la sous image et yo rivé entrer au pillé yo allé avec ça au té besoin et puis yo mette du feu non pas il veut dire tout à quelques mètres palais national puis précisément rue de l'enterrement bandi yo pillé et puis mette du feu dans espace yo vend toute qualité bagay victime yo dit nous c'est des bras yo bandi yo cassé nous pas nuit l'état nous pas aimer de l'état c'est seulement sécurité nous mande l'état et puis nous même pour nous chercher la vie nous l'état ça il pas ba nous sécurité en dit ça au lieu de sécurité c'est mettre donc nous pour détruire nous pour faire nous pas capable de vivre. Okay. Nous pas capable de dire la vie finie parce que nous avons souffle là. Mais c'est comme si que yo cassé des pieds nous, on mettait nous de côté. Toute victime là, tout monde dans cour sociale la victime et ça fait vivre ensemble là, c'est détruire nous ensemble. Mais n'a pas regarder vivre ensemble nous essayer pouvoir avec politiciens avec secteur privé à c'est eux mettez armes dans menex ça eux nèg yo dit pas jamais aller aucun côté pour y aller à l'acheter armes pour y aller acheter balle c'est ba yo vinn vendre je dis à eux détruire nous ça m'a dit là que moi perdu Delco et batterie inverter yo détruire net gagne des dépôts yo brûler tous les deux brûler piller brûler je dis à moi que de me balancer vivre ensemble pas appeler d'ap craser bagaille moun si gagne vivre ensemble révolution pas fait la craser révolution c'est l'appel que bagaille ou gérer bagaille moun révolution ça c'est bouler la bouler assez pour pouvoir repayer mon cher révolution quand la bouler bagaille toute malheureuse bon côté yo quitter côté pour aller en haut gagne le grand nèg yo parler dans monde grand nèg c'est malheureux y a détruit assez mouvement ça mais c'est vivre ensemble lancer a peser lou sous deux secteurs transport en commun en tout d'après sa syndicaliste Deplamanis, qui est président SOS Transport Fédéré Métropolitain, fait qu'on est. Ça a passé, il détruit le secteur transport complètement. L'organe là, à côté, nous avons un paquet de machines qui boulent en dedans station paralysée. L'organe de portail et organe, nous pas de station encore. On a regardé qui quantité de machines qui boulent pour le secteur transport. Lo aller en bas mon cabrit ou regarder au boulet plus que 4 autobus pour nous les nous aller au niveau des verret des âmes nous gain 6 camions côté Lixon avec malfroi pareil yo te boulet pour madame Sarayo je dis c'est ça que fait nous même au niveau des secteurs transport nous mandé toute couche sociale là pour chita ensemble pour joindre pour nous joindre un consensus au niveau du pays. Parce que je dis à nous-mêmes, au niveau des secteurs de transport, nous pas qu'à supporter. Face à cette situation, observateurs ont reproché à acteurs politiques qui refusaient d'entendre pendant le pays a effondré plus plus. Et pour jeudi lundi 25 mars, les gens capables d'entendre coup de balle, cap chanter dans la direction sud capitale. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilmé pour VOA Creole.
En parlant de regroupement politique, il y a toujours gagné un suspense concernant installation collège présidentiel de transition. Et c'est comme ça tout que regroupement politique Tankou et Dered à compromis politique. Il y a même envoyé ambassadeur Smith Augustin pour aller siéger dans le conseil présidentiel transition après que Madame Dominique Dupuis, eh bien, lui-même, lui fait retrait. Ouna Toussaint, c'est correspondant à nous dans Port-au-Prince. Ancien ambassadeur d'Haïti en République dominicaine, Smith Augustin, ses nouvelles personnalités, regroupement politique et des raids à compromis historique désigné pour remplacer Dominique Dupuis qui retire école dimanche 24 mars 2024 dans le conseil présidentiel transition à cause menace la mort Lydie Labrosse voix dans main inconnue avec pression comme quoi l'hypoco gain 35 l'année. Non, Smith Augustin déjà à joindre CARICOM officiellement pour le capable éventuellement à siéger dans le conseil présidentiel là. Il a qu'à participer tout dans rencontre CARICOM, notamment rencontre qui liée à statut à mission conseil présidentiel là. Conseil présidentiel là, composé Kounia, avec Edgar Leblanc-Fils, Leslie Voltaire, Smith Augustin, Fritz Alphonse Jean, Laurent Saint-Cyr, Louis Gérald Angile, avec Emmanuel Vertulaire, environ une quinzaine de jours après annonce démission Premier ministre Ariel Henry, CARICOM, acteur politique haïtien, ak société civile la poko ka rend fonctionnel conseil présidentiel transition an. Nan rencontre ki te prévoit pour samedi 23 mars 2024 pa gen ko avancé ki fait par rapport ak objectif ki te fixé yo parmi 3 points ki te nan ordre du jour yo seule question droit vote membre conseil présidentiel yo ki te abordé ak adopté samedi 23 mars passé ya. Si majorité a décidé seul 7 membres régulier qui gen droit vote tandis que gen deux autres observateurs samedi an membre conseil yo te travaille tout sous mécanisme choix président conseil là dans prochaine rencontre là conseiller présidentiel yo a travaille notamment sous mécanisme choix premier ministre cap gagner pour remplacer officiellement Ariel Henry dans tête primature là ou dans tout ça pour VOA créole Port-au-Prince. Et bien, situation politique là fait que l'aéroport international là, non, Port-au-Prince toujours été fermé pendant que vol international le reprend. Jeudi, lundi 25 mars là, dans l'aéroport au Cap là, dans direction Miami, Gérard Maxino, gain détail. De plus que 155 passagers qui étaient sortis ici dans ville Cap-Haïtien, qui étaient embarqués à bord vol spécial ça que Sunrise réalisé à partir de l'aéroport international Cap-Haïtien, jeudi lundi ça. D'après plusieurs passagers qui étaient parlé à VOA Creole, depuis commencement crise, ils ont été quitter pays, mais ils n'ont pas capable. Je suis en crise. Je suis voyagé depuis le 1er mars. Mais on connaît un pays qui est là. Pour ne pas de vol, je suis obligé de prendre un bus vino cap et tout. Dès qu'on voyage là, je me dis que je suis en cap là à prouver. Parce que nous, depuis le début du mois, nous sommes supposés déplacer. Donc, on va imaginer qu'on est aujourd'hui à combien. On prend plus de temps. Il y a quelques jours. Depuis le président Ariel Devine par manque stable dans le pays, depuis le ça. Passagers ça ont déclaré Haïti pas gain aucun avenir. Tout le monde qui vit là-dedans menacé. Ils ont fait connait, ils ont pas regrette, ils a quitté pays d'Haïti. On pas en sécurité vraiment. On crise dans le pays, pas gain président. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on pas qu'être bail comme si nous avons envie de vivre, nous pas capables. Nous sommes obligés de déplacer pour nous aller. Après ça, nous retourner dans le pays jusqu'à ce que nous ayons stabilité. Je dis que dans ce moment-là, je suis très content que je puisse quitter le pays parce que je suis venu pour les plus jeunes là encore. Le pays est censé. Tout le monde a fait des affaires, tout le dirigeant a préposé du tout. Après, je suis personnel. Je suis content que je puisse quitter le pays. Majorité volio reprend dans l'aéroport international Cap-Haïtien. Sunrise commencé matin lundi 25 mars 2024 avec vol spécial Cap-Haïtien au Caï. C'est seulement vol Cap-Port-au-Prince qui peut reprendre dans l'aéroport international Cap-Haïtien. Gérard Maxino, VOA Creole, Cap-Haïtien.
Merci Maxino. Nous toujours dans l'actualité concernant le pays d'Haïti. Gouvernement annoncé à partir de jeudi, lundi 25 mars 2024, là, que tout policier et personnel administratif gain accès pour encaisser chèque dans n'importe qui banque dans le pays. Donc, vous capable et aller et prendre cob bail chèque là, prendre cob Yves Manuel. En raison de l'insécurité captée Banda dans le centre-ville Port-au-Prince, agent et personnel administratif police nationale d'Haïtien a fait face à un peu de difficulté pour encaisser chèque paiement dans la Banque République d'Haïti. Dans l'idée pour résoudre le problème, le gouvernement a annoncé désormais tout policier et personnel administratif a une possibilité pour encaisser chèque dans n'importe qui banque dans le pays. Décision ça a entré en vigueur à partir de lundi 25 mars 2024. Le coordonnateur syndicat national police haïtien fait qu'on est gain plus passé 90% agents dans PNH là qui a fait face à problème ça qui montrait situation pas piti dans un contexte crise généralisée côté policier yo joine en pile demande li impératif pour joindre un moyen pressé pour aider famille yo. Selon ça policier a fait qu'on est pendant saluer décision ça bon côté gouvernement. Nous pensons que c'est une décision sage que le ministre la prend et parce que nous avons un contexte qui est extrêmement difficile et c'est le côté que yon moun ou travaille dans l'État ou te gen accès pour changer chèque ou c'était dans BRH et nous connaissons que dans quelles conditions BRH est actuellement là. Et nous avons toujours posé tête nos questions pour qui ça. Nous c'est des employés de l'État, nous travaillons dans l'État paye nous. Et puis tout pour limiter nous avec chèque nous que nous pas qu'à changer même à travers BNC qui c'est en banque tout nous capable dire qui c'est pour l'État que lui. Donc nous même au niveau Singapour son décision qui sage qui prend là. Police nationale d'Haïti a multiplié action contre gangyo depuis plusieurs semaines dans la région métropolitaine La Boule, Pétionville, Bristou, Delma, Chanmas, PNH là qui joignent bourrade population à affronter bandits. Capitale haïtienne qui transformé en affrontement entre policiers et bandes armées, levé journée lundi avec un calme apparent, tandis que le gouvernement prolongé jusqu'à mardi cap vini la, couvre-feu dans la capitale, dans le cadre d'état urgence li décrété depuis 6 mars passé dans le département l'Ouest. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Créole. L'autre point dans l'actualité a toujours sauvé au Créole, on suivi un programme dans langue créole haïtien. Autorité dominicaine a annoncé yo pas camper déportation haïtien qui vivent illégalement sous territoire. Jean-Robert Philippe qui s'était envoyé spécial VOA Créole dit nous autorité a annoncé que yo pas accueillir réfugiés haïtiens la caillou. Jean-Robert. Plusieurs groupes pression dominicains avec organisation politique manifestés devant Parque Independencia à Santo Domingo samedi 23 mars 2024 là, contre demande Nations Unies fait autorité dominicaine pour accueillir sur territoire pays à réfugiés haïtiens. La doña Oru a venu aquí y que a pedirnos a nosotros que refugiemos con una ley de refugiados a los 12 millones de haïtiens que se encuentran supuestamente en peligro en Haití. Vira Seca, un organisateur manifestation pour j'étais bien loin, demande l'organisation internationale la fait gouvernement dominicain pour l'accueil haïtien et cap chercher protection. M. Vilaseca a ajouté que l'ONU semble établir histoire en deux pays et que Haïti avec la République dominicaine, c'est deux pays ennemis historiques. Même là, il dit que le peuple dominicain n'a pas gagné avec le peuple haïtien. Selon responsable, la solution Haïti a, c'est en Haïti lié et non pas en République dominicaine. Ni lui-même, ni leur organisation avec le peuple dominicain, a bien eu de mettre ensemble pour forcer l'autorité dominicaine ou rejeter la demande de l'organisation internationale à faire. Nous demandons d'ailleurs que le président dominicain a déjà rejeté. Effectivement, ça va gagner longtemps. L'Agence des Nations Unies pour réfugiés a demandé aux pays dans la région, y compris la République dominicaine, protection comme réfugiés pour tout Haïtien qui a subi menace en bas de gang armée. En réponse à la demande de l'Agence de l'ONU en fait, pays concerné, le président dominicain Luis Abinader fait qu'on est pays à continuer de déporter Haïtiens qui vivent dans le pays sans document légal et que l'IPAP autorise la construction de camps réfugiés sous territoire. D'après chiffres l'ONU publiés, il y a 33 000 personnes qui courent quitter la capitale à Port-au-Prince pour chercher refuge de l'autre côté. Jean-Robert Philippe, VOA Créole, Santo Domingo, République dominicaine.
Jean-Robert Philippe, c'était envoyé spécial service là en République Dominicaine. Chicago a metté migrants dehors dans l'État alors que un groupe migrant tout près El Paso a veillé qui le pour traverser Kay Tonton Sam. Détail avec Gentil Augustin Junior. Pendant Chicago a expulsé immigrants la Kaili, un groupe migrant campé bord Rio Grande. Yo espéré joindre une chance pour traverser rivière ça qui tout près Texas, El Paso, États-Unis. Pendant gouvernement état Texas là a prend gros mesi pour arrêter migrants qui entrent illégal dans état là. Nous pas gain de l'eau, nous manger ça moun yo ban nous. Malheureusement, ça c'est situation actuelle là. N'attend pour wè qui solution nous ka joindre. Fred dynamite dans la nuit là très exagéré. Nous a tremblé et puis nous vlopé youn ak l'autre. Mais nous ici là, sous compte bon Dieu, n'a tant tout bagaille réglé. Immigrants qui t'ap cherché entrer aux États-Unis continuer rivé tout près clôti frontière qui barré ak fil rasoir sur Rio Grande, tout près El Paso, Texas, dimanche 24 mars là. Pendant autorité immigration yo a préparé pour ça qui taka yon vague moun ka privé dans pays ya. Agent frontière fédéral faire respecter loi immigration États-Unis sous frontière ya. Loi Texas que yo reconnaît comme SB4 ta criminalisé entrée illégale ou soit réentrer dans yon pays étranger et puis permettre juge état yo bay lod pour immigrant qui viole loi ça quitter États-Unis et comme peine prison jusqu'à 20 l'année pour moun qui refuse conformer yo. Pendant Texas a essayé mettre restriction pour immigrant pas continuer entrer sous territoire état Chicago expulser quelques migrants qui étaient déjà installés yo. Ça qui provoquait colère nan mitan quelques défenseurs droit moun. When you have folks who can't get work, lè ou gen moun ki pa ka jwenn travail, ki pa ka jwenn assistance pou loue kay. Sa ou fè lè sa, c'est augmenter problème sans abri que nous wè nan Chicago. Ak moun ki gen gros barrière ak lang lan et puis ki pral nan la ri yo. Mwen kwè que ça c'est mauvaise direction n'a prend. Yon nouveau politique controversé dans ville Chicago té mené nan expulsion immigrant yo ki sorti nan abri yo. Té humilié défenseur ki di politique la pral augmenter sans abri et ki té immigrant yo fait face ak yon avenir incertain. Maria sorti Venezuela, li ak petite fille 8 l'année li té rivé Chicago nan mois décembre, di li obligé quitter en 28 avril. Nous pèlè yo fè nou aller parce que tant kou mwen gen an pile moun ki gen ti moun piti. En pile famille après yo finale yo pa gen aucun côté pour yo aller et puis nous pèlè yo fin fè nous aller pour nous vin sans abri. Abri additionnel yo té établi après décision gouverneur Texas là Greg Abbott té prend pour transporter plusieurs milliers immigrants nan ville tankou Chicago ak New York. Depuis mois d'août 2022 Chicago té accueilli plus passé 37 000 immigrants. Gentil Augustin Junior, Washington pour VOA Creole. Merci Gentil, n'a prêté toujours dans même sujet ça moun qui a quitté pays pour venir chercher la vie meilleure et ici aux États-Unis notamment gen moun tout qui vini dans programme ça ou le programme Biden humanitarian parole et gen pile ça dans OCA. Ici mais gen moun tout qui recevoir yo ou bien organisation glorieuse Nelson depuis New York. En bas leadership Dr. Mona Lisa Ferrari, plusieurs migrants haïtiens qui établis dans zone Canassi Brooklyn, gen chance pour bénéficier diverses séances orientation sous nouveau chapitre que y a entamé dans la vie. Chaque semaine, yo réuni dans South Shore High School, côté initialement yo recevoir cours anglais, mais surtout technique à conseil qui capable aider yo dans processus intégration yo. Dr. Mona Lisa Ferrari a expliqué. Et yo gen des ressources qui censé déjà disponible pour yo mais yo pas suffi, pas toujours suffi. Famille aussi recevoir yo en pas toujours et gagner des opportunités ou bien et accès pour ta aider vraiment vraiment dans façon peut-être yo ta vle. Ça veut dire besoin des ressources secondaires, besoin des appuis de la part de communauté parce que l'on a regardé l'autre communauté juive, chinois, italien par exemple, lorsque yo vini, yo joine semblable yo dans communauté pa yo qui aider yo dans processus ça. Voilà pourquoi communauté haïtienne nous dit tout en a dit l'union fait la force mais faut que nous capable faire par nos actions.
En plus partage connaissances et expériences, moun qui fait déplacement chaque semaine, gen possibilité pour bénéficier quelques donations. Nan dat nou te visite espace lan, participants ont recevoir rad. Ajoutez sous ça, Dr Ferrari à travers organisation qui rele Fiji, gen chance pour mettre moun si la yo en contact avec de l'autre organisation qui yo même tout ap guide yo. Nadine Remy, yon éducatrice qui te fait intervention jou si la, a bay raison qui motive l'aide. L'important pour les gens qui viennent, c'est de connaître où nous sommes passés et comment nous avons fait pour nous réussir ici. Ce travail que Dr Ferrari a fait, ce travail que nous-mêmes nous sommes venus dans les années 70-80, que nous ne pouvons pas faire avec nous. Et le, par exemple, où venir dans le pays, où font une transition dans le pays, qu'on ne peut pas connaître rien là-dedans. Li important pour jeune au monde qui montre qui route pour prendre qui comment pour faire qui ça pour faire qui ça pour pas faire. Moi même expérience pas différent, nous chacun différentes expériences, même toujours prend moi ma pensée immigrant ici, moi toujours montrer en dehors de l'anglais, moi toujours montrer au danger que dans pays là, moi toujours montrer tout et qui j'en peux passer pour réussir. Moi toujours montrer autour comment pour qui ça comment pour motiver, comment pour rester fort, comment pour rêver. N'a spécifié, rencontre s'il a réalisé 3 fois par semaine, mardi, mercredi, jeudi soir et au gratis. Glorieuse Nelson pour VOA Creole, Brooklyn. Et puis, nous avons retourné dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, côté gang armé continue à s'y l'intérêt pendant que projet pour troupes multinationales venues avec Kenya dans tête, il y a toujours dans l'actualité, mais il y a une réaction dépamment sous l'île. Nous allons rejoindre Jude de Onseré. C'est suite à publication non 9 membres qui pral faire partie de conseil présidentiel transition dans le pays d'Haïti que VOA Creole retrouve le journée jeudi à dans West Palm Beach état Floride pour prendre opinion quelques haïtiens dans communauté a sur question ça. On pose maintenant en niveau en termes d'assimil comment ou pral assimiler différents équipes ça différents groupes ça et qui pral gè pour objectif l'organisation des élections et tandis que ce sont les mêmes partis politiques qui pral participer dans les élections et qui pral faire partie du conseil présidentiel. Pour moi, je pense que c'est un mort vivant, mais c'est un vivant mort. C'est pour la première fois que je sens que je suis exilé, je suis allé dans le pays. Et je me dis toujours, je dis, plutôt, je n'ai pas de caille ou de pays, à tes sous de pays ou à espérer un jour de caille. Conseil présidentiel, ça n'a pas de pouvoir. C'est parce que pas de modèle pareil qui fait déjà. Pour moi-même, si international a réellement voulu aider nous bien ou bien imposer un bagaille, il faut imposer la toute force. Li. Faut montrer nous meyo, faut montrer nous force qui pour l'établir, qui pour bay moun sa yo vrai pouvoir qui pour permettre que yo délivrer un bagay pour nation. La nation pas qu'on doit violer ça en quelque soit l'homme. Nous pas qu'à prendre indépendance tout comme premier peuple le noir indépendant pour quitter moun avin di nous. C'est Jacques, c'est Paul, c'est Pierre pour qui dirige nous. Non, c'est nous pour qui prend propre destinée nous non même nous pour qui dit mais qui nous voulait ou pas qu'à choisir leader pour nous. Nous gagnons tous c'est un peuple indépendant. Nous qu'à choisir leader pas nous. Faut nous faire très attention pour nous mettre nous en place, pour nous gagner discipline, pour nous comme ça nous pral faire cette fois-ci. Nam di nous pas veut blanc venir, nous pas veut blanc faire ça, nous pas veut moun vin di nous ça pour nous faire, nous pas veut di moun qui est pour nous choisir. Mais qui leur n'a pas prendre mes têtes nous en place pour nous faire le bon choix. Pour nous prendre bon direction parce que faire une révolution c'est pas craser briser. Pour moi même m'pa ni Guy Philippe, m'pa ni Maurice Jean-Charles. Et moi, pour moi, je suis plus appuyé position Guy Philippe là, ou bien y aller dans la Cour de cassation. Je ne pas côté à passer et à réussir, parce que c'est goumé, nous mettons haïtien goumé plus entre eux-mêmes. C'est ça seulement que je dis. Je continue à prier pour le pays, parce que je connais un jour où bon Dieu a délivré le pays d'Haïti. Non, Pam, c'est Jude Ronsré pour VOA Creole, West Palm Beach, État Floride. Merci, Jude Deonseré. Donc, tu as dit que c'était réaction qui t'a faite sous
Conseil présidentiel de transition qui toujours dans impasse pour qu'on note officiel qui parlait de et 9 membres bien que 9 membres prend la rue déjà nous connaît non yo gain membre cap changer notamment nous souhaitons que yo prend ambassadeur Augustin Smith Augustin dans place madame Dominique Dupuis lui-même qui ra l'école. Donc nous pratiquement arrivé dans fin programme c'est un plaisir comme d'habitude pour nous te servir gagné ancien président brésilien et Bolsonaro Jair Bolsonaro qui toujours en grande difficulté et surtout que ben pile accusation qui tombait sous dol pour Covid-19 pour et assemblé que le t'a mélangé dans en question de coup d'état donc n'a bien pour nous retourner sous dossier Jair Bolsonaro. On va aller quelques points cap dominer actualité à un Conseil de sécurité des Nations Unies qui a adopté une résolution pour un cessez-le-feu dans Gaza à 14 voix pour ayant abstention et abstention c'est les États-Unis ça qui fait que eh ben gon délégation Israël qui était gain pour venir Washington qui renvoyé et puis gain attaque sanglante et mortelle qui fait sous Moscou vendredi qui se passe là dernier chiffre parler de 37 monde qui t'a perdu la vie et puis gain réaction qui fait après ambassadeur Haïti dans UNESCO Dominique Dupuis dit li pas d'accord avec choix que il fait de li pour l'allant et CTPA donc nous pratiquement arrivé dans fin programme là et merci Joe Gill et Samblue Chang Wang et puis Zamini Fred Kaimit et gentil Augustin Junior et Jean-Marc Hervé Abella. Moi c'est Jacques Lambelizer et nous dit Jean-Aubert Philippe envoyé spécial nous en République Dominicaine. Bon retour pendant que n'a salué Valérie qui est en vacances, nous dit déjà bonne fête. Bonsoir.